na na de kole batuka na de kole la na de kole batuka na de kole la na de kole grenom la na de kole la na de kole grenom la na de kole la na de kole batuka na de kole la na de kole batuka na de kole la na de kole shapono na de kole la na de kole shapono Du 25 au 28 février 2018, j'ai accompagné la Batuka Waga dans son périple aux alentours de Lyon. La semaine précédente, ils étaient accueillis à Grenoble par la Batuka Vie, une batucada d'enfants du quartier de la Villeneuve. Ces deux batucadas en ont rejoint une troisième, des imbatuctibles, à Chaponneau le dimanche 25. Alors, regarde d'abord, regarde le monsieur là. Le monsieur avec le bonnet. Et on dit Jean-Mi. Jean-Mi. Alors le plan, c'est qu'on va au quartier et on se fait le petit pique-nique. Le grand monsieur chauve, c'est Willy, le maître de la Batuka Vie. Je suis facteur et je donne des aides à ceux qui aiment les frites. Super rencontre avec Batuka Waga, ou Batuka Waga et puis Batuka Vie, quoi. Des gamins qui jouent, qui ont la pêche, qui ont l'énergie. Et puis nous, ça nous file l'énergie. Et puis voilà, quoi. Programme de demain, lundi 26 février, décollage à 10h de Chaponneau pour aller visiter Lyon en hauteur. Donc pour Pierre, on descend Saint-Just-Vieux-Lyon. Et après-midi, on visite Chaponneau, la MJC de Chaponneau. Voilà, guidé par moi-même. Donc Lucas, est-ce que tu viens nous accompagner? Évidemment. Juste le temps pour les Grenoblois de faire quelques photos souvenirs et des adieux en bonne et due forme. Et non, surprise. On va d'abord festoyer chez Christelle, une amie de longue date de Fido, un des instigateurs du projet. Bah là, l'idée c'était de refaire une petite soirée improvisée. Il est arrivé à Chaponneau ce matin depuis Grenoble et il repart, il prend l'avion mercredi, il reprend l'avion mercredi matin. Donc c'est de redécouvrir un peu un autre type de musique. Là, cette fois-ci, c'est la batucada avec les jeunes, avec les enfants. Je vais emmener les brioches si jamais quelqu'un. Oui, parce que si. Oui, puis Sidi B ce matin il a pas mangé.
Ouais, Lisa, salut. Ouais, ça va et toi? Si tu veux, on se retrouve chez Patrice, parce que ça sera peut-être pas la peine de prendre toutes les voitures et tout ça. Hein? Ben attends, il y a aussi les filles à prendre chez Véro. Comme prévu, ce matin, on se prépare à aller visiter Lyon depuis les hauteurs, depuis la colline de Fourvière. Sauf qu'ils sont nombreux, donc ils dorment un peu de partout. Chez moi, il y a Richie, chez Jean-Louis, il y a Sidi B, les filles dorment chez Véronique. Donc d'abord, faut faire un tour et aller ramasser tout ce monde. En France, ne sont pas comme ça, hein, ouais, elles n'ont pas toutes des gyrophares, tu vois, c'est bleu, violet, rouge. Donc pour commencer, on est allé au Jardin des Curiosités. Les Lyonnais, si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y, il y a une super vue sur tout Lyon. C'est sur Fourvière, c'est à côté de la basilique et il n'y a jamais personne. Bon, là, il n'y avait personne peut-être parce qu'il faisait super froid, mais on a quand même eu une super vue et on a fait des belles photos. La rue Saint-Jean, donc on est passé devant le musée miniature et cinéma, on a juste visité l'entrée, vous savez, la salle gratuite. Mais elle reste malgré tout assez intéressante. Ah ouais? Alors? Les sportifs? Lisa est où? Elle a abandonné, elle a dit continue sans moi, je suis en retard. S'il vous plaît, je suis pas d'accord pour qu'on file. Même pas fatiguée. Elle est pas fatiguée. On rentre, hein. Je crois qu'on rentre. Thank you.
Après manger dans la soirée, on est allé visiter la MJC, guidée par Lisa bien sûr. Pour tout le monde en fait cette pièce, il y a les toilettes, il y a la cuisine. Il y a de la danse, il y a du yoga, il y a de la poterie, il y a des spectacles pour les enfants, les cafés-concerts, c'est ouvert à tous. Et là, on varie les styles musicaux. Le dernier, c'était du flamenco. Ah ouais. Le but, c'est de faire découvrir au public les styles de musique différents. Ah oui, ce qu'on avait oublié, c'est que dans l'espace jeune où se termine la visite guidée de la MJC, était prévue une répétition en commun des deux Batucada, Batucawaga et les imbatoutibles de Chaponneau. Une demi-heure pour apprendre un de leurs morceaux. Allez, c'est bon, c'est quoi on va faire, nous on appelle ça ambiance facile. Ambiance facile. Ambiance facile. J'ai jamais mangé un houmous aussi bon. Regardez, regardez. En direct live, vous allez assister à la meilleure dégustation de houmous sur une croûte de pizza. Non, mais c'est avant tout, c'est une rencontre. Avant d'être une collaboration, c'est une rencontre. On a rigolé, on a joué, on a fait de la musique, on a dansé. Ils nous ont amené du soleil, froid de canard. C'était magnifique. Super rencontre. Bravo le Burkina, bravo Chaponneau. Et Grenoble aussi. Et Grenoble aussi. L'échange est vraiment très important parce qu'on a appris beaucoup de choses avec vous. Et puis voilà, j'espère que vous aussi vous avez appris avec nous. On espère vous recevoir un jour à Ouagadougou et on va travailler pendant une dizaine de jours. Et longue vie et bien des choses à vous. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci. Bon alors Lisa, comment ça s'est passé aujourd'hui? Conclusion. Conclusion de la journée, nous n'avions jamais eu aussi froid encore depuis le début de cet hiver. Et nous avons pourtant pu vivre au milieu de la chaleur burkinabé. Voilà, au milieu du salon de Jean-Louis, à base de coupé, décalé. Programme de demain, la même chose. Ouais alors non, demain on va plutôt visiter les écoles et le collège pour y faire des ateliers percussions et présenter un peu la Batucada et la Batucawaga avec Fido et Ismaël. C'est parti. Reviens. Donc Fanny, qui est intervenante musicale, va vous accompagner et puis les deux classes de CM2 vont descendre. Okay. D'accord ? On va commencer par tous ensemble faire un échauffement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Est-ce qu'il y a un ordre précis pour les acteurs? Oui, il y a un ordre précis. Ouais. Ces deux instruments-là, c'est des instruments de marcation. Ça veut dire de pousser la marcation. Voilà, marcation, ouais. C'est eux qui sont derrière. Et là, c'est sur dos. Ils sont là, au milieu. Ça dépend de comment vous voulez classer les instruments. Peut-être souvent, on peut les mettre. Voilà, ça dépend aussi du nombre de personnes. Amandes.
fait, avec du sucre autour. C'est typiquement chinois. Ouais. Dion, ça fait longtemps que je n'avais pas mis les pieds avec les deux chaînes. Ah, ça te rappelle quelque chose, Jean-Louis. Ah bah, tu parles. Ben oui. Ah ouais. Les enfants, ils ont fait comme tu dis. Moi, j'ai eu son fils, Quentin, en CE2. Et c'était il y a 25 ans. À la rigueur ici, si ça vous convient. Oui. Sinon, si vous voulez aller au soleil là-bas, mais en tout cas, on peut mettre comme ça, ouais. Ça nous à partir de midi et demi, le temps qu'on fasse passer un peu les élèves à la cantine. Oui. Bon, le collège c'est fini, maintenant on retourne en primaire et on visite l'école avant de préparer une petite surprise pour les élèves à la récréation. Toutes les classes vont sortir avec tous les professeurs. D'accord. Ils savent pas ce qui va se passer, c'est une surprise. Mais pour cette petite surprise, on va devoir demander de l'aide à quelques élèves de l'école. Shabbala ! Shabbala ! Wouh wouh ! Wouh wouh ! Batoukada ! Batoukada ! On va les tourner dans la salle. Bon, là ils étaient sur le point d'aller jouer dans la cour. Sauf que nous attendons deux classes qui sont allées à la piscine. Voilà, donc on les attend pour pouvoir sortir faire le show. Ça fait du bien, mais non, ça fait du bien. Non. Allez, c'est parti. Acheter du scotch, ok? Aujourd'hui, c'était une belle journée. Avec des rencontres dans les écoles, on a fait des chaînes ce matin, après au collège, et après à Martel. Et c'était une belle échange de partager notre savoir-faire avec les enfants dans les écoles et les initier à la Batoukada. Et donc on sentait l'ambiance et on sentait le rythme. Ouais. On est très content d'être à Chaponneau. Je pense que voilà, c'est une journée fabuleuse. On est vraiment content d'avoir échangé avec les écoles, les enfants. Et l'ambiance était vraiment très bonne. Et nous, on espère que ce projet ne va pas s'arrêter à là. Nous espérons peut-être revenir un jour à Chaponneau ici pour faire beaucoup de choses. Voilà. On vous remercie beaucoup toutes les familles qui nous ont accueillis, les amis qui nous ont invités à boire un coup et manger ensemble. Moi, je pense que c'est vraiment une échange très importante pour nos enfants et pour nous. Voilà. Et pour la mairie aussi, on dit beaucoup, merci beaucoup à la mairie et à tous ceux qui ont vraiment donné de leur force pour que ça puisse se réaliser. On les dit merci. Et bien des choses à toutes vos familles. Et voilà, merci beaucoup. Et Batoukawaga sera toujours là pour vous. Merci. Oh,
éternel, ceux qui mourront au combat. Indépendant comme le nom de son journal, tous les cas sont peuples qui ne soient qu'un peu mal. Norbert Sombo, c'est pour toi que ma pluie, parti Dieu la main pour avoir voulu rester. Contrairement à ce qu'on voulait, on voulait qu'on vous mentalise. On prie pour vous dans les mosquées, dans les églises. Je consomme mon lycée, Che Guevara, Gandhi, Luther King. Dans nos mémoires, elles seront toujours gravées. Maman de la Marcoquise, ma pousse qui avait. À cette allure, le continent ne peut que sombrer. Nous, ces militants, sont tous en train de crever. Bravo.